Bonjour, je vous présente ici le pasteur Léopold Thériault. Lui, il avait pour mère une sourde. C'est une personne sourde. Il est habitué à voir sa mère, les langages gestuels, puis il pouvait lui montrer le témoignage de ce qu'il a vécu avec Jésus. C'est un vrai miracle qu'on peut voir. Bonjour, ça va bien? Ah oui, ça va bien. Je suis Combien content de te d'années voir. t'étais pasteur? Oh, à plein temps depuis 20 ans et plus. Ok, tu peux montrer maintenant le témoignage que le Seigneur a fait pour toi il n'y a pas longtemps. Il y a 2 mois, un peu plus que 2 mois, j'étais au lit à plein temps. Seulement que le dimanche matin, j'étais capable d'aller à l'église. Avec de l'aide des personnes pour m'amener. Donc, ça veut dire que tu n'es plus capable de marcher, Non, bouger, rien non, faire. rien. C'est comme paralysé, puis Oui, rester. j'avais plus de muscles, Alors, plus, c'est que la maladie que tu avais sur le muscle. dystrophie musculaire. Oh, en plus, tu as Oui. mal à l'extérieur musculaire. Oui. Oh, ça fait en plus un miracle qui vient du Seigneur. Oui. Ok. La dystrophie musculaire. Et c'est impossible de revenir. Tant c'est pas curable. Non, non, c'est dégénérative. Dégénérative. À tous les mois, à la fin, Ok. ça s'empirait. Tant pis, 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 Puis, pis. plus. Ma femme était comme pas découragée, mais avait beaucoup de tristesse et moi-même, j'étais triste aussi. J'étais au lit. On voit que ta femme avait passé par les épreuves, pour t'aider, tout ce que pendant tout le long de ta Oui, maladie. oui. L'ordinateur, écrire mon nom, j'étais Ok. pas Ah, capable. t'as capable de Non. faire quoi que ce soit, maintenant, Écrire, non. pas enlever, Ordinateur, se non. réparer, Vis, rien, rien, zéro. zéro. J'ai même en dernier, dans le mois d'avril, en dernier, ma femme était obligée de m'aider la nuit pour aller aux toilettes. Donc, Est-ce qu'il faut prendre des médicaments ou des choses comme oh, ça? oui, j'avais plus de je suis pas capable de dire la quantité, Oui, à peu à près. peu près 20 médicaments par jour, mais À tous les 20, tout, ça va. oui, mais le plus que je prenais, c'est pour la douleur. Oui, l'antidouleur. Oui, C'est quoi ça fait? c'est de la codéine. Codéine. Codéine, oui. Je T'en prenais prends plus combien? 500 Oh. mg par jour. Parce qu'il y a toutes les douleurs dans le dos, dans le mur, dans Partout, partout sur le corps. oui. Et souvent, je mangeais à Oui. la table. Et quand je mangeais le soir, même après les Oui, on va pas médicaments, manquer après le médicament. la douleur était trop forte que ça pleurait seul. Et Ça ma a femme, duré combien de temps, tout ça? c'est depuis, je dirais, les 2, 3 dernières années. C'était pire. Ah, 3 ans, ça a duré, puis t'as rempli, rempli, Pire, rempli, pire, rempli, pire, pire, rempli. pire, 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 pire. Jusqu'à avril. Et au mois d'avril Avril, 2017, ça fait... 2017, Ok. oui, ça fait 2 mois. Ah, ça fait 2 mois Ça, à peine. c'est Oh! nouveau. Ah bon? C'est pas un vieux miracle. Non, non, c'est un nouveau Ok. miracle. C'est la preuve que Dieu est le même hier, Oui, aujourd'hui et aujourd'hui, comme demain. avant. Il ne change pas. Les Wow. miracles encore Ah aujourd'hui. C'est arrivé au mois d'avril. Ok. C'est pas de rien de spécial, prière ou simplement j'ai dit au Seigneur que j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de sa, Ça grave. de sa grâce, oui. Et quelques jours avant le 1er mai, il me dit, c'est comme à Oui, l'intérieur, comme la voix de Seigneur là, te parlait dans toi. oui, qui disait, je te guéris.
Juste ça. C'est tout. Juste un mois, c'est tout. C'est tout. Mais les muscles n'ont pas... Poup! Non. Non. Pas par permane, on ne rien. Poup! Non. C'était... Très mince. Mince, oui, oui. Pas de muscles. Et il m'a dit, le 1er mai, commence tes exercices. C'est comme si il était dans... Fais l'exercice, comme ça, là. Oui. Sans savoir. J'y vais. Et j'ai commencé avec 5 livres. De quoi tes 5 livres? 5 livres pour les jambes. Ah oui? Levées. Ah oui, le poids. Le, okay. Livre. 5 livres. 5 livres. OK. Une petite rondelle. Par en chose, OK. Oh là là. Et je devais garder la foi de ce qu'il m'a dit. Ben oui. Donc tu as persévéré la foi, tu as pas regardé dans tout le blabla. Non. Regarde, la grâce Seigneur, OK, Dieu t'oublie. Puis tu t'entraînes. En train. Et maintenant, j'ai fait plus de 300-400 kilomètres de vélo. En plus, tu ne pouvais pas sortir. Non! Puis après, tu as commencé par un vélo. Vélo, oui! Et là, j'ai commencé. Presque 50. 50. Tu es en train oui, pratique. Tu n'as pas eu de tomber. Ah, hein? Au début, la première. Ah oui? La première. Le premier jour. Ok, je suis parti de chez moi oui. Et j'ai fait 7 km. Ok, à peu près. À peu près. L'équilibre, pédale, pas de muscles, pas rien. Et maintenant, hier. Pas 2 ans passés. Non, hier. Oh, hier. 55 kilomètres de vélo. Je suis parti de Granby jusqu'à Yamaska. Yamaska, OK. Roxton Pond. OK. Et j'ai fait le tour du lac en montagne, 20 km en montagne. C'est comme si tu as fait le tour de l'île de Montréal en entier. Oui. Ben oui. Hier. Ah, hier. Et aujourd'hui, j'enseignais la parole de Dieu. OK. Et j'ai marché de l'église jusqu'ici. Je suis en pleine forme. Et j'avais 2 personnes avec moi qui ont fait du vélo. OK. OK. J'étais plus en forme. Les deux. C'est le miracle de Dieu. Et en même temps, en 2 mois, en plus des exercices, des poids, de voir les muscles se refaire, c'était impossible. OK. C'est impossible. Je vais te montrer que les muscles oui. Avant la barrière. Non, c'était comme ça. Comme ça. Puis maintenant? Comme ça. Et aujourd'hui, je lève des poids 45-50 livres avec les poids. Qu'est-ce qui passe avec les pilules avant, les vingtaines de pilules? Puis la codéine, en tout de l'or. Et j'ai seulement obéi au Seigneur. Je ne dis pas aux personnes, arrêtez. Il faut que le Seigneur communique avec chaque personne. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir communion avec Dieu. Avec Dieu. Il ne faut pas regarder à moi, moi je suis capable, moi je peux faire. Non. Non. Tout c'est pour grâce de Dieu qui t'a aidé. Seulement. Donc, c'est impossible à l'homme. Impossible. Pourquoi les nerfs, oui, t'es là, oui. Les nerfs, c'est comme l'électricité. OK. Pas d'électricité, ça ne marche pas. Non, c'est mort. OK. Le muscle, les nerfs n'avaient pas. Il ne fonctionnait pas. C'était impossible. Même en pratiquant, en exerçant, ça ne revient pas. Les médecins ont dit c'est impossible. Ah, selon les docteurs, ils disaient clair. C'est ton corps qui est impossible. Impossible. J'ai demandé pour faire des exercices. Des tests, oui. Ils ont dit, tu veux, mais ça ne change rien. OK. Mais avant, tu disais que tu as pris 400 grammes. 500, 400, 500 grammes de
codéine pour la douleur. Maintenant, 45 aujourd'hui. Et dans une semaine, c'est fini. C'est qu'il pensait, l'homme qui est pharmacien, quand il voyait ça. Ah, il m'a posé la question, il a dit, comment tu peux expliquer? J'ai dit un mot. Dieu. Il n'y a pas de pilule, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas d'opération, rien. Un mot. Dieu. Dieu. Puis qu'est-ce qu'il dit à pharmacien quand le pharmacien, quand il a, en même temps, ouais. Je lui ai dit que j'avais fait 42 km de vélo. Ah. Et le pharmacien lui-même est un homme de vélo. Je ne savais pas. Non, c'est un athlète. C'est un athlète. Et il y a... Oh! Vraiment! Oh! Il savait plus quoi dire. Oh là. Il était comme... Même avec les médicaments d'arrêter, oui. C'est impossible. Sans aide médicale, c'est impossible. Et... Non, c'est vraiment la grâce de Dieu qui est à l'œuvre à 100%. Le meilleur médicament. Ah, oh, c'est la grâce. Sans la grâce de Dieu, c'est impossible. Comment on peut connaître la grâce de Dieu? On peut plus expliquer aux autres, on peut connaître Jésus. C'est un amour qui dépasse l'intelligence. L'expliquer, c'est difficile parce que depuis des années, ça fait 30 ans et plus que je connais le Seigneur. Excuse-moi si je suis faible un petit peu parce que okay, c'est normal. Oui. Je pensais qu'au début, je connaissais la vie. Mais avec les épreuves, avec toutes sortes de problèmes, j'ai vécu toutes sortes de choses. Et quand je suis retourné à Jésus, c'est à ce moment-là que j'ai compris que son amour n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il y a plusieurs... Écritures dans la Bible qui parlent de l'amour de Dieu, mais comme il n'y a pas vraiment profondeur de comment que Dieu conduit d'aimer vraiment. Oui, comme Paul. Regarde tout ce que tu as fait dans le passé, de bien, de mauvais, de eu tes meilleurs pasteurs, quoi que ce soit, rien pour l'amour de Dieu pour nous. Inconditionnel, on dit en pas de condition. Zéro. 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 C'est pas à cause du zone, c'est pas à cause des pasteurs, c'est pas à cause de ta religion, c'est pas à cause. Rien. Jésus seulement. Point. Il m'a demandé d'annoncer que son amour pour sa création est sans limite. Okay. Il n'y en a pas de limite. Fait que je voyais les témoignages du pasteur, il n'y a pas derrière. Puis nous remercions Jésus. Jésus pour faire aussi pour toi. Si tu as des épreuves, des problèmes, n'importe quoi, n'aie pas peur de demander à Jésus, comme qu'il a fait pour lui. Il ne faut pas oublier, il était pasteur, il connaît la Bible profondément, mais malgré tout, il a vu l'amour et l'action de la grâce de Dieu qu'il a. Qu'on voit là, c'est vraiment impossible aux hommes de faire. Tout ce qui est possible, sûrement à Dieu. Merci, au revoir. Bonjour.